Jour 1. Alors, on va aller chercher des médicaments et un colis que j'ai pris il n'y a pas longtemps pour les cheveux et tout. Donc, on va déjà essayer de s'habiller alors que je suis clairement en pyjama. Et j'ai la flemme de m'habiller et me doucher. De toute façon, ce soir, je vais avec Zazu au bar, donc à ce moment-là, je vais me doucher. Mais pour l'instant, on va pas se doucher. On va essayer de faire notre pyjama, une tenue de jour. Et ça sera le but d'aujourd'hui. C'est quand même compliqué de mettre une boucle d'oreille et une main, quoi. Hi. J'ai quand même aussi l'autre. Allez. Putain. Alors, le trou. J'ai jamais réussi. Attends. Oh. J'étais presque. Genre ça s'était mis dans le trou. C'est mieux comme ça. Non, je sais pas. On verra. Ah, on m'appelle. Oui, allô? Oui, bonjour. Je me permets de vous appeler concernant votre rendez-vous du 10 juillet à 14h50 avec le docteur Pontus. Oui. Elle ne pourra pas l'honorer, malheureusement. Est-ce que je vous laisse reprendre un rendez-vous sur Doctolib ou vous voulez qu'on positionne un rendez-vous avec une autre de ses consoeurs? C'est ok pour vous, de toute façon, 24 heures avant, vous recevez un SMS de confirmation. D'accord? Ok, d'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ah là 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 là! Bon bah toujours pas changeant de programme, mais on voulait... Voilà, c'est ça que je vais faire. On va se mettre comme ça. Oui, oui. Oh là, mais les boutons. Les boutons, en plus avec la caméra, ça sort très bien. On adore. Pas du tout. J'aime bien voir les gens. Numéro 10. C'est du voyeurisme, c'est ouf. Mais bon, c'est pas... Là, on est bien. On va rajouter un petit collier. Pour faire genre. Acheter aussi un soutien-gorge. Parce que on va pas non plus trop dire à tout le monde que je suis sans nous. On va mettre full parfum. Une coiffure. Je sais pas. Vraiment. On va juste me les coiffer quoi. J'espère qu'on n'a pas vu. Bon, il faut quand même qu'on puisse voir le collier. Je vais le mettre en cran. Un peu trop avec les... Non, c'est pas... Ouais, je change de... Les boucles d'oreilles. Est-ce qu'on va faire semblant de mettre un short en dessous? Parce que là, j'ai juste mon petit short... Mon petit short pyjama, tu vois. Non, comme ça, c'est bien.
Mais oui, comme ça, c'est très bien. Oui, on va aller à la pharmacie avant que ça ferme. Attends, il est quelle heure avec tout ça là? Il est où mon problème? 17h46, je pense que ça ferme à 18h. On va se dépêcher quand même. Bon, c'est juste en face. Mais bon, on va pas trouver ça bizarre que je me trimballe avec une petite caméra là. Bon, je vous ressortirai quand il n'y aura personne. Bon, voilà. Oh, on voit pas, c'est bon. Qui sera choqué de moi? Qui me regarde? Qui me regarde de toute façon? Genre là, il n'y a pas longtemps. Enfin, non, c'est clairement aujourd'hui. J'ai mis ici où, genre, c'est mon fourre-tout, mais de sac, tu vois, parce que tout le temps, je change de sac. Et donc, il faut que je re-remplisse, le revide. Donc, j'ai mis ici là tout ce que normalement je mettais de base. Une serviette ouverte. Ok, avec ça, mes écouteurs. La tenue de jour. Bon, là il faut clairement que je me coiffe. Mais bon, voilà déjà.
C'est bon, j'ai tout fait. J'ai les courses. Ici. Et surtout la pharmacie et tout. Et là, le petit colis qu'on va ouvrir tout ensemble. Genre en revenant déjà, j'ai vu trop des trucs mignons quoi, tu vois, genre un fils avec son père et tout, en train de faire du vélo, une toute petite fille genre qui m'arrivait même pas aux genoux. Non si, je sais pas, mais elle était trop petite pour... genre trop petite, genre trop mignonne. Et là en rentrant déjà, je rencontre un voisin que j'ai jamais vu. Il avait fait le badge là et j'ai ouvert la porte, je l'ai laissé... parce que c'est lui qui a ouvert, donc je l'ai laissé. Enfin, je lui ai gardé la porte ouverte, quoi. Et genre, déjà, il disait oh, merci madame, machin. Et après, on monte sur les escaliers et tout. Et là, il tombe, enfin, il trébuche dans les escaliers avec ses courses. Donc j'étais, mais. Genre, ça va, monsieur et tout. Et je lui dis, mais vous voulez que je monte vos courses jusqu'à chez vous? Il me dit, non, non. Non, il disait quoi non, ne vous inquiétez pas, enfin genre un truc genre, non, ne vous inquiétez pas, merci beaucoup, vous êtes une fille très sympa et tout, non, ça va aller et tout, j'ai juste mal au dos et j'ai du mal à monter les marches, mais parce que les marches sont assez hautes, mais ça va aller, ne vous inquiétez pas, je vais réussir, machin. Donc j'étais, vous êtes sûr, hein? Il me dit, oui, ça va aller, merci. Oh là là, j'ai sauvé des gens. Enfin, je peux sauver, mais genre, j'ai fait une bonne action. Donc là, j'ai pris un petit contenant à petite là. Hop. Plus, genre, tu peux mettre plein de trucs avec. Genre, il y avait différents millilitres. Genre, j'ai pris ça à Dioda. Si je me souviens. Dioda, ouais, Dioda. J'ai une petite marque afro-américaine. Avec un petit shampoing sec en poudre. Powder. Cheveux bouclés, frisés, crépus. Belle madame. Bref. Ça, c'est un. Truc express air repair antifreeze. Ah oui, ça c'est pour démêler et tout. Enfin, ça c'est cool ça. Un spray réparateur. Si je monte pas. Un spray réparateur sans chat, tout type de cheveux. Perfect. En plus, l'huile de ricin et tout. Donc, c'est grave. C'est grave bien pour les cheveux ça. Un petit leave-in. Soin sans hydrate nourri. Hop. Non, j'avais aussi un autre. Oula, pourquoi il est tout petit? Oh mais non, c'est normal, c'est une perle de karité, donc il faut pas en mettre beaucoup. Ok. Et ça, ouais, ça c'est, il est trop bien aussi. Crème soufflée, hydrate des filles nourries. Ouais, voilà, sans un sage. Là, j'ai mon L. Ça c'est l'huile, alors c'est O et ma crème C. J'ai mon L, c'est O. Genre, c'est à peu près la formule pour les cheveux crépus. Il faut avoir une crème, une huile et un truc un peu hydratant. Produit bah, pour mes cheveux. Et alors, ça va, c'était pas si cher que ça. Non, j'en ai eu pour rien. Ouais, dans le vaporisateur, je vais mettre un soin pour faire pousser mes cheveux. Parce que, en fait, si vous regardez bien, mes là, genre, c'est pas garni du tout. Là. C'est pas garni, là. Donc, on va essayer de faire... J'avais trouvé une petite vidéo sur TikTok où il y avait un mec qui faisait un truc, et une autre meuf aussi qui faisait ça à sa fille, à sa petite fille. Donc il faut qu'on retrouve cette vidéo. Non plus.
Quoi? Peut-être que c'était pas ici. Hein, que... Ah si, c'était elle, voilà. If you want to know how I grew my daughter hair in 2 weeks from this. To this with only for natural ingredients, keep on watching. You're gonna need mint, rosemary, cloves, and ginger. Add them to a pot. And add water. Let it boil. This is what it should look like after it's done. Okay. J'ai clairement pas tout ça, mais on va faire ça. Strain it and add it to a spray bottle, and it's ready to be used. I spray and massage my daughter's hair and scalp with it every day. Ça pour dire que celui-là il sera rempli.